J'ai encore des éléments qui chargent. Voilà, c'est juste parce que je m'approche et que ça... Non, j'ai juste... Ça a pas de sens. Cette extension n'a pas de sens. Dans quasiment toutes les extensions, on était guidé. On avait des PNJ qui nous donnaient des quêtes. Et on était guidé, quoi. Là, on débarque et on n'a rien. On a strictement rien. Je suis complètement paumé. Bon, bah écoutez, je vais essayer de me renseigner, parce que c'est pas normal. Les autres joueurs, ils sont tous là, ils se baladent, mais je comprends pas ce qu'ils font, parce que moi j'ai accès à rien. Et oui, et donc je rappelle, j'ai téléchargé le jeu intégralement depuis le torrent fourni par Firestorm. Donc j'ai l'intégralité du jeu, hein. J'ai aucun chargement en cours. Enfin, j'ai juste des loadings qui viennent du évidemment, faut que les données sortent du disque dur pour que je puisse les voir. Quelle est cette sorcellerie? Mais quelle est cette sorcellerie? Eux, ils passent sur un pont que je vois pas. Vous voyez, c'est le genre de truc que j'ai, moi. Pourquoi ça merde? On va retourner à Légion, hein. Ça fait une demi-heure que je tourne, hein, dans ce bâtiment-là, hein, dans toute cette zone-là. Ainsi que j'ai essayé, ici, il n'y a aucun animal que je peux tuer pour cette quête secondaire-là. J'ai été là-bas donc pour prendre une quête. J'ai des monstres à tuer mais qui n'apparaissent pas. Et j'ai un boss à tuer, il n'existe pas. Donc je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer d'aller voir pour les gorilles qu'il y a là, mais je n'ai aucun PNJ. Je peux prendre aucune quête. Enfin, si je peux prendre des quêtes, mais des quêtes mineures. Et puis il n'y a pas de. C'est des trucs tuer des mobs. Et puis les mobs n'existent pas. Je comprends pas. J'ai un problème avec l'extension. Je dois avoir un problème avec l'extension, je vois pas d'autres explications. Donc on va aller rejoindre le rivage, on va essayer la zone secondaire là que j'ai vue. On va essayer ça ensemble, mais je vous dis, je vois quasiment aucun PNJ. Il y a quelques mobs agressifs, mais.
Mais trop peu, quoi. J'ai clairement des PNJ et des mobs qui manquent. En plus, enfin, voilà, l'univers, c'est clairement l'univers un petit peu Inca. Why not, hein, mais c'est pas un truc qui me passionne plus que ça. Je veux juste accéder au fly. Si y a le fly, au moins le fly. Voilà, vous voyez, le fly. Il est censé être là, quelque part. J'ai pas le PNJ. Donc je sais pas. Si ça se trouve, en fait, les autres joueurs que je vois qui se baladent, ils sont exactement comme moi, hein. Ils sont en train de chercher, hein. Je vais me faire wisp dans 2 minutes. You see PNJ? Nope. Ça a l'air d'être là-dedans. Oui, il y a des joueurs qui attaquent quelque chose là. Mais moi, je vois rien. Et je me fais attaquer par rien. Donc, j'ai clairement un problème. J'ai essayé des reloads, hein, des déco reco. Je vais retenter une déco reco. Je vais tenter ça. On va retourner par contre au port parce que c'est vraiment le. J'ai ma barre de vie qui est apparue. Je me suis fait attaquer par quelque chose visiblement. Allez, on va juste retourner au port, je déco reco et je vois ce qu'il en est. C'est bon, il y a plus de PNJ. Bon. On va la tenter, hein, cette déco-reco. De toute façon, on va arriver à la fin de cette session de tournage. Mais je. C'est chiant, je dois balancer des rushs, je dois. Ça aurait été très chaotique ce début de Battle for Azeroth, honnêtement. On aura vu que la clairière de Tirith Sol a été détruite. C'est tout, quoi. Et puis, il n'y a pas de champ de bataille, il n'y a pas de quête. Et puis, j'arrive à Zalandar et il n'y a rien qui s'affiche. Donc, si vraiment j'arrive pas à débloquer le problème, on retournera à Légion. Hein. On continuera les. Les divers chemins qu'on a, et puis ben, hors caméra, je continuerai les attaques de la Légion pour XP jusqu'au niveau 120, et niveau 120, on entamera les champs de bataille.
Allez, on croise les doigts. Pourquoi ça m'affiche, vous n'êtes pas dans la bonne région? Ça m'a affiché, vous n'êtes pas dans la bonne région. Alors, j'ai des nouveaux PNJ qui sont apparus. Peut-être que le vol peut-être pris, non? Ok, bon. Faut que je prenne. Si visiblement ça terrasse au-dessus. Pas l'air très probant tout ça. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que on va pas chercher plus loin. Je vais attendre qu'il y ait d'autres patchs peut-être. Peut-être j'en sais rien. Là c'est un autre joueur. Je vois pas le personnage qui est censé me donner ma la quête. Il y a un PNJ là-bas maintenant, mais c'est pas celui qui est censé me donner la quête. Je sais pas quoi vous dire. D'accord, c'est ce genre de pont qu'il y a, mais je. Et il semble pas exister de ce côté pour moi. On va tenter, hein. Et j'étais pas loin. J'étais pas loin. Je la retente. C'est bon. Je vais voir dans la cale. J'ai rien dans la cale. Que dalle, j'ai rien. J'ai aucune interaction possible. Donc, bah, allez vous faire voir, je vais rester sur Légion. J'ai pas trop le choix, j'ai rien qui fonctionne sur l'extension Battle for Azeroth. C'est con, moi je me suis mis sur serveur pour pouvoir jouer à Battle for Azeroth pour découvrir l'extension et puis et j'ai rien qui marche. Bon, on verra plus tard, on verra à l'épisode prochain s'il y a des choses qui fonctionnent. En tout cas, bah moi je retourne sur Légion et puis bah on va.
Je me renseignais hein, hors caméra pour pourquoi j'ai ce genre de bug. Ça a aucun sens. Alors que les autres joueurs ont clairement l'air d'interagir avec des choses, d'attaquer des mobs que je vois pas. Enfin, c'est. Voilà, très très frustrant. Très très frustrant cette histoire. Mais ben on retourne sur Légion. Nous allons diviser nos troupes pour les frapper de tous les fronts en même temps. Ok. Alors, ouais, on va utiliser plutôt ça. Est-ce que juste j'ai une attaque en cours? J'ai pas d'attaque, visiblement. Est-ce que c'est vraiment ça qui va. Bon bah écoutez, ben dans ce cas, ben, la progression maintenant va se faire un petit peu hors caméra. Mais on va certainement continuer l'Argus, résultat. Va attendre que le téléporteur s'affiche. Donc finalement, ouais, le téléporteur il est à côté. Hein, pour, il doit être juste là. Il faut juste qu'il s'affiche. Allez. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on va continuer ça à. On a un peu de temps, voilà, on va continuer un tout petit peu. J'ai un petit quart d'heure encore. Alors j'explique hein, qui ralentit les chargements de. C'est normal, ça pompe un peu sur ma carte graphique. Hein. C'est pour ça que j'ai des textures qui apparaissent un peu après. Ma force soit Donc, avec vous. il y avait ça. Mais Votre Indicar est à votre disposition. j'aurais envie de retourner voir un petit peu sur vraiment juste en dessous s'il y a quelque chose. D'accord, ok. Donc ici j'ai un portail pour retourner quand je suis au sol vers le vaisseau. Ok. Non bah c'est bon, je l'ignorais. C'est tout, hein. Je vous dis, on découvre des choses. Notre heure est venue. Que la Légion succombe à vos coups. Donc ici, ça avait été nettoyé de toute façon. On a encore éventuellement un boss ici, visiblement. Ouais, qui a beaucoup de vie. On va un peu oublier. Je vais refaire un petit peu le trajet, voir. Ok, de toute façon après en contrebas on a tout ça. On a une quête là-bas. Qu'on va aller prendre.
Pourquoi il m'indique ça? Souvenir. Oh. D'accord, ok. Donc c'est verrouillé, mais il y a quelque chose ici. Je me dirige. Je me dirige mal visiblement. Ouais, c'est par là. Ok. Donc il y a ici. Nous n'échouerons pas. Tu es dit Fantaras, la forêt. Va payer. Ok. Ouais. Oh cool. Ouais, tu es 10 mobs comme ça, t'as 27 000 points de vie, c'est. C'est chaud mine de rien, enfin c'est chaud, c'est surtout long en fait. Parce que sinon ça se passe plutôt bien mais. Ouais non, faut que je descende encore, mais j'ai beaucoup de mobs là qui sont. Zut, m'en douter. Je vais contourner. Oui, donc résultat, ça. Attendez, hein, j'en profite, hein, ça. Et
Parce que c'est des quêtes que j'ai pris en Zalander, mais vu que ça fonctionne pas, que les mobs sont pas là. Ok. Eh zut! Il me reste combien? Il me reste 3 à tuer. Bon. Avec celui-là, il m'en restera plus que 2. Ouais, je parle pas trop, hein, mais voilà, je... J'avais pas vu que celui-là, il avait 36 000 points de vie. Allez. Je me mets en mode je traverse bas les couilles. Ok. Ah, il n'y avait pas d'XP en jeu sur cette quête. Bon, ok. Ok. Ah, c'est le problème, c'est qu'il faut que je regarde à ça, mine de rien.
Ensuite, on a quoi? On a là. Mission de sauvetage. Ok. Donc, faut que je retourne au sud en passant par là. Ok, on est ici. Et donc, j'aurai une quête ici. Que je ne vois pas. Mission de sauvetage. Je mènerai mon peuple à travers les ténèbres. Ok. Attendez, est-ce que je l'aurais pris et que Nos je l'aurais pas ennemis vu? souffriront autant que nous avons souffert. Ah oui, c'est ce truc-là. Oui, sauf que je... Attendez, hop. Ouais, bon, ok. Donc il y a ça. Il y a ça, mais voilà, je peux pas vraiment en plus. Et donc il y a cette quête là-bas. L'artillerie lourde, mais je crois que c'était celle qui était pas scriptée. Donc on peut toujours essayer, hein, mais je doute. Non, c'est pas là. Le tunnel. Il est là-bas. Ok, donc on va traverser là-bas. Parce que pareil, hein, on a donc cette partie-là, mais en fait on a deux autres parties hein, qu'on a toujours pas vues de l'Argus. Donc voilà, donc on a encore des choses à faire, mine de rien, ici, hein, ça, indéniablement. On va éviter de tomber là-dedans. Allez. On traverse en mode je m'en fous. Ok. Donc de toute façon, je dois traverser ça. Allez connaître la véritable souffrance. Eh oui, casse toujours. Non, je crois que c'est ça. La quête c'est... Ouais, de toute façon c'est là. Artillerie lourde, donc trouver et récupérer le jugement de la lumière. Il va me falloir un peu de temps pour calibrer les matrices de téléportation. Je serai la loué à pour votre disparition. Ce soit fait. Donc je dois trouver ça et l'amener. Allez. Ok. Alors ça, c'est bon à savoir.
avait pas grand chose, mais. Et donc là. Moi, pour moi, ça me semble pas scripté ce truc. Hein. Lui, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Vu sa quantité de points de vie, il a un point d'exclamation sur, sur sa tronche. Je dirais que c'est fort possible que ce soit lui qui ait ce qu'on cherche. J'ai perdu le focus de ma fenêtre, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis toujours en record. Allez, décède. Activez la console une dernière fois pour terminer le transfert. Je m'occuperai du reste. Ben voilà. Pète-leur la gueule. Bon. C'était un peu hasardeux comme script, j'ai l'impression quand même. Hein. Utiliser le jugement de la lumière pour détruire les décombres qui bloquent l'entrée de Zenadar. Bah... Que la Légion succombe à vos coups. Oh, 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 oh. J'aime ça, moi. Non mais vous pouvez pas utiliser plutôt le canon pour je sais pas démolir la Légion. Allez. Vous avez réussi. Venez, montons à bord du Xenedar et allons secourir Xera. Je voudrais pas être abat-joie, mais c'était pas ouf. Moi, je m'attendais vraiment à un putain de rayon qui dégomme tout, quoi. Attendez. Non, on va monter. Mais j'ai l'impression que j'ai sauté le moment où je devais rendre la quête. À moins que ce soit là. Ok, c'était là, c'est là, donc c'est bon. Ou pas, lol.
Non, sérieusement. Non, non, oui, non, il m'indique bien en bas. Donc, je dois rendre cette quête en contrebas. Juste parce que je sais que je vais crever de la chute. J'ai pas envie de me taper tout le chemin en sens inverse. Vous osez venir sur notre je monde. Serai loué pour voilà. Votre disparition. J'ai pas envie de m'emmerder. Ma foi est mon bouclier. Dionne, je détecte Xera dans la pièce centrale. Loué soit la lumière. Nous n'arrivons pas trop tard. Et que se passera-t-il? Elle m'a fait jeter en cellule pour avoir étudié le vide contre sa volonté. Va-t-elle m'enfermer à nouveau? Ou pire? Xera verra que tu as risqué ta vie pour la sauver. Cela restaurera sa confiance en toi. J'en suis certain. Xera, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité maintenant. Venez, aidez-moi à la guider jusqu'au Vindicat. Ensuite, nous pourrons partir d'ici. Ok, donc j'ai les cristaux, sauf que je vais mettre fin à cette session ici, et on déverrouillera donc les trois cristaux à la prochaine session de tournage. On va continuer, voilà, on va terminer le Légion, et hors caméra, ben je j'XP avec les quêtes de voilà de les attaques de la Légion. Et puis voilà, donc certainement que lorsque l'on se reverra là pour la prochaine session de tournage, je serai certainement au niveau 114. Probablement, peut-être même aux portes du niveau 115. C'est possible. Donc sur ce, ben je vous dis... Ah ok, ça démarre... Ah bah, pour une fois qu'XSplit démarre tout de suite. Eh ben, rebonjour à tous. Je sais qu'on est au milieu de l'épisode 65, je crois. Bah, on est reparti. On va poser les cristaux. Juste, voilà, deux, trois petits changements. Premièrement, bah, je suis niveau 116, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche. J'ai monté de niveau donc, et donc en faisant simplement les batailles de la Légion hein, qui font augmenter très très vite. Donc je pense qu'on va finir niveau 120 ici à la Légion. Ce sera plus simple. Mais je pense avoir compris comment débloquer Battle for Azeroth. Hein. Vous l'avez certainement hurlé en commentaire, mais j'enregistre cette série à l'avance. Donc voilà. Je reviens après sur le add-on que j'ai. Apparemment, il y a... Alors, attendez, hop. Je vais vous montrer à ce que j'ai compris. Hein. On essaiera peut-être plus tard. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur... Voilà. Il y a une quête qui s'appelle la bataille pour Lordaeron. La bataille de Lordaeron. Et c'est cette quête-là qu'il faut prendre. Apparemment, pour débloquer les scripts de Battle for Azeroth. Donc voilà, c'est pour ça que rien n'était scripté quand j'y suis allé. Je pense que c'est cette quête là. On pourrait essayer, mais voilà. Pour le moment, on va terminer cette campagne de l'Exedar. Parce que voilà, moi je la trouve cool. Ah, ok. Donc apparemment il faut sauver ce truc là qui s'appelle Xera, on en a déjà vu hein, des trucs comme ça, notamment à Satra. C'est des cristaux mais qui ont une vie, qui ont une conscience. Ok.
Ah, oui, ok. Alors, vu que j'ai le décoreco, par contre, le PNJ n'est plus là. Le PNJ à qui je dois rendre la quête. Ah. C'est ennuyeux. Est-ce que je peux espérer qu'il soit dehors? Je peux pas rendre la quête parce que je le PNJ il a disparu durant la décoreco. D'accord, ok, super. On va essayer de. Alors là, je suis emmerdé. Nourrissez la flamme. Comment je peux faire? Faut que j'abandonne et que je recommence cette quête. Faut que je l'abandonne et que je la recommence. Bon, vous voyez, hein, c'est pas long, hein, mais. Mais ouais, le PNJ à qui je suis censé rendre la quête, résultat, vu que c'est un PNJ scripté qui se déplace avec nous, il a disparu. Attendez, je regarde un truc, mais. Ouais, non, il est à cet étage-là, hein. Et après, je pense qu'on est censé abattre le démon qui est sur cette terrasse. J'ai vu un démon. Voilà, il y a un démon là. Qui a pas mal de vie, je crois. Ouais, voilà. Mais. Hé. On peut pas rendre la quête. Je vais l'abandonner, je vais la reprendre. Je. Hop. Alors, le problème, c'est. Le problème c'est où est-ce que je la reprends? Je vais refaire le chemin, mais c'est con. C'est con, capitaine. C'est con, capitaine. Ah. Kronakai Christor, je détecte Xera dans la pièce centrale. Loué soit la lumière. Nous n'arrivons pas trop tard. Et que se passera-t-il? Elle m'a fait jeter en cellule pour avoir étudié le vide contre sa volonté. Va-t-elle m'enfermer à nouveau? Ou pire? Xera verra que tu as risqué ta vie pour la sauver. Cela restaurera sa confiance en toi. Alors, J'en suis certain. j'espère que ça l'a replacé par contre. Oui. Xera, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité maintenant. Venez, aidez-moi à la guider jusqu'au Vindicar. Ensuite, nous pourrons partir d'ici. Zut! Ah, les cristaux sont plus intéressants. C'est pas vrai. Les cristaux, ils sont plus.
Allez, attendez, puis... Non, je dois plus être connecté sur Word. Parce que j'étais sur Canal World, mais... C'est pas vrai. C'est une quête simple, hein. Et pourtant je... Ah, c'est bon. Fallait juste faire un petit reload. C'est bon, on va pouvoir faire la quête. Ou pas. Non, faut les faire. Faut juste les faire dans l'ordre. Ouais, ok, fallait juste les faire dans l'ordre. Bon voilà, on aura perdu La un tout petit. foi est mon bouclier. On aura perdu un tout petit peu de temps là-dessus. L'armée de la lumière est prête. Nous nous battons pour notre foyer, nos familles. Ok, et donc. Parler à Tur. Ok. Nous faisons front ensemble. Nos troupes vont maintenant sécuriser le Xenedar. Même si nous avons récupéré son précieux chargement, le vaisseau ne doit pas tomber entre les mains de la Légion. Placez la balise sur ma position. Nous rentrons. Ok. Ça, c'est pour éviter de se taper le chemin de retour. Hey. Et donc, ok, Xenedar est là, mais elle est, enfin Xera, elle est là, mais couchée quoi. La lumière vous souhaite la bienvenue. Nous n'allons pas reculer maintenant. Ah, d'accord, en fait, Xera, elle est vide de vie, en fait, c'est pour ça, Cette ok. lumière nous... Ok, donc faut que je leur parle. Ronakai Christor. Cinématique. Nous sommes honorés d'être en votre présence une fois encore, Xera. Turalion, je me réjouis de voir l'élu à vos côtés. Illidan, à l'aube de votre vie, la lumière qui flamboyait dans vos yeux vous promettait un avenir des plus glorieux. J'ai renoncé à tout cela depuis déjà fort longtemps. N'aspirez-vous donc pas à recouvrer ce qui vous a été ravi, à renouer avec votre destin? La fin de la Légion est tout ce qui m'importe. Mon enfant, vous avez tant donné pour si peu en retour. L'heure est venue d'éveiller votre conscience, d'accéder à la rédemption. Libérez-vous de vos entraves et recevez le pouvoir de la lumière. J'ai sacrifié ma liberté pour le pouvoir autrefois. La prophétie doit être accomplie. Votre ancienne vie est révolue. Que la lumière vous fasse renaître. Vous n'avez
n'avez pas le droit. Vous serez libéré des affres de votre passé. J'ai accepté mon passé. La lumière dicte votre destin. Mon destin m'appartient. Vous nous avez tous condamnés, traîtres! Votre foi vous aveugle. L'élu n'a jamais existé. De nous seuls dépend notre salut. Putain, mais je l'aime, Illidan. Je l'aime, putain. Ah, purée. Purée, il vient de tuer un dieu. Vous arrivez à point nommé. Tu respectes ou pas, Illidan, là? Tu le respectes, Illidan, ou pas? Là, ok, là tu... Ah, il est génial. Je kiffe ce personnage. Sérieusement. C'est vraiment le meilleur personnage de World of Warcraft.